This is a production of Cornell University. Monsieur le juge en chef, monsieur le président du réseau des cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne, mesdames, messieurs les présidents et juges, monsieur l'ambassadeur des États-Unis, monsieur le doyen de la Cornell Law School, madame le professeur, mes chers collègues, mesdames, messieurs. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir pour l'inauguration du Centre Documentation du droit américain de la Cornell Law School à la Cour de cassation. Mr. Chief Justice, gentlemen, Chairman of the Network of the European Union Supreme Courts, ladies and gentlemen, Chairman, Justices and Judges, Your Honor, Your Excellency, Ambassador of the United States, gentlemen, Dean of the Cornell Law School, Madam Professor, dear colleagues, ladies and gentlemen, it is an enormous pleasure for me to welcome you here for the inauguration of the Documentation Center on American Law at the Cornell Law School here at the Cour de Cassation. Ce projet et la donation qui l'a rendu possible ont été conçus et négociés par Sir Basil Marquesinis, ami de notre cour et éminent universitaire qui a dédié sa vie à créer des liens entre les mondes judiciaires et universitaires de différents pays pour renforcer la coopération et l'amitié mutuelle. This project and the grant that actually a financial grant that made it possible were designed and negotiated by Sir Basil Marquesinis, who is a friend of our court, an eminent academic who has dedicated his entire life to establishing links between the various judicial worlds and academic worlds of different countries in the world. In order to enhance cooperation and mutual friendship. La bibliothèque de la Cour de cassation devient aujourd'hui le premier et le plus important centre en France pour le droit américain. The library of the Cour de cassation is today to become the first and most important center in France in terms of information on American law. Cette réalisation souligne la qualité et la force de nos relations avec les États-Unis d'Amérique, dont atteste également la présence à nos côtés pour cet événement du juge en chef Roberts et des juges Kennedy, Ginsburg et Breyer de la Cour suprême. Je tiens à préciser que Madame Ginsburg est une ancienne étudiante de l'Université Cornell. This achievement only goes to show the quality and the strength of our relation with the United States of America that can be seen also in the presence today by my side of Chief Justice Roberts, Justices Kennedy, Ginsburg and Breyer from the American Supreme Court. I dare say Mrs. Ginsburg, if I'm not mistaken, is a former alumni of Cornell University. Cette réalisation témoigne aussi de la collaboration que nous entretenons avec le monde universitaire ainsi convié à travailler avec nous à la réflexion sur le droit. And of course this achievement underlines also the collaboration that we have set up with the academic world that has thus been invited to work hand in hand with us on our thinking process on law. Elle marque enfin notre intérêt pour l'apport des droits étrangers dans cette réflexion. Le président, Lord Phillips, et les membres du réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne, réseau dont l'un des objectifs est précisément la meilleure connaissance de nos différentes jurisprudences, nous font l'honneur et l'amitié d'être avec nous en ce moment. C'est un heureux symbole
de l'ouverture des cours suprêmes sur la culture juridique comparée qui nous est nécessaire pour assumer pleinement notre rôle aujourd'hui. It also underlines, and this is my last point, our interest in the contribution that can be made by foreign legislations to our own thinking process. His Honour, Lord Phillips, being amongst us, and the fact that there are also here in this room the members of the and the presidents of the Supreme Courts of the European Union, which is a network, the objective of which is precisely to have a better knowledge of our different jurisprudences, testifies to this, and show the honour and the friendship that exists between us right now. This is yet another symbol of the way Supreme Courts throughout are opening up to different legal cultures and to comparative legal structures, which I deem to be so necessary to assume our roles as we sit here today. Aux 50 000 volumes de notre bibliothèque s'ajouteront bientôt, étant disponibles, plus de 13 000 volumes comprenant notamment toutes les décisions des tribunaux américains, d'État ou fédéraux, les principales revues juridiques américaines, la possibilité d'effectuer des recherches en ligne avec l'assistance de l'équipe des bibliothécaires de l'Université de Cornell. To the 50,000 odd volumes that you can see around you will be added shortly no less than 13,000 supplementary volumes that will comprise, amongst other things, decisions and rulings of American jurisdictions, whether they be state jurisdictions or federal, as well as the main legal American publications, thus giving us the possibility of doing online research with the assistance of the librarian team, of the Cornell University. Je tiens à rendre hommage au doyen de la Cornell Law School, Monsieur le professeur Schwab, et à Madame le professeur Germain, pour avoir su et pu exprimer d'une aussi belle manière la coopération internationale de notre cours avec les États-Unis et imaginer son avenir. And I would like to pay a tribute to the Dean of the Cornell Law School, Professor Schwab, as well as Mrs. Professor Germain, for having known and made it possible to express in such a magnificent way the international cooperation that exists between our court and the United States, thus imagining its future. Et donc maintenant, j'invite M. Nadal, procureur général, à prendre la parole. Suivra M. Schwab, doyen de la faculté de droit de l'Université Cornell, puis Mme Germain, Lord Phillips, président du réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne, et enfin Mme Zinsberg, qui dévoilera la plaque. I would now like to invite Mr. Nadal, who is the Attorney General, to take the floor. He will be followed by the Dean Schwab of the University, the Cornell University, followed himself by Mrs. Germain and Lord Phillips, who is the Chairman of the Network of the European Union Supreme Courts, and last but not least, the floor will be given to Mrs. Ginsberg, who would unveil the plaque. Monsieur le Président de la Cour suprême des États-Unis, Chief Justice Roberts, Votre Honneur, Lord Chief Justice Phillips, Monsieur le Juge Ginsberg, Monsieur le Professeur Schwab, Madame le Professeur Germain, Monsieur le Premier Président. La cérémonie d'aujourd'hui est véritablement exceptionnelle, car elle rassemble en ces lieux symboliques les responsables des plus hautes juridictions des deux continents autour d'un acte fondateur, celui de la création du Centre de documentation du droit américain de la Cornell Law School à la Cour de cassation. Chief Justice of the American Supreme Court, Chief Justice Roberts, Your Honor, Lord Chief Justice Phillips,
Mr. Justice Ginsburg, Professor Schwab, Professor Germain, Mr. French Chief Justice, rather. The ceremony that is about to take place here is truly exceptional, since we have gathered here symbolically all of the people in charge of the highest courts of the two continents around a founding act, that of the creation of a documentary center on American law by the Cornell Law School here at the Cour de Cassation. This ceremony is all the more important. Cette cérémonie est d'autant plus importante qu'elle se déroule en présence des hauts représentants de la Cour suprême des États-Unis. I was anticipating that the ceremony was all the more important that it was taking place in the presence of the highest ranking representatives of the American Supreme Court. Nous voyons donc aujourd'hui se concrétiser un long projet conduit par votre prédécesseur, Monsieur le Premier Président, et qui trouve son aboutissement par la mise à disposition de près de 13 000 volumes regroupant la jurisprudence de la Cour suprême et des cours fédérales américaines et l'engagement d'un processus d'assistance à la recherche électronique. So, in fact, today we are seeing the outcome of this long project that had been started by your predecessor, Monsieur le Président. So it is today materializing, and it will end up in the availability of more than 13,000 volumes gathering the jurisprudence or case law of the American Supreme Court and the American federal courts, and of course thereby starting a process of assistance to electronic research. Je voudrais remercier tout particulièrement l'Université de Cornell d'avoir choisi la Cour de cassation française pour la création de ce centre de documentation. I would more particularly like to thank Cornell University for having chosen the French Cour de cassation as the location for the creation of such a center. C'est pour nous une fierté que de devenir en quelque sorte la passerelle du savoir juridique entre nos deux continents et nos deux cultures judiciaires. It is for us a particular source of pride to thus become, to put it this way, the gateway of legal knowledge between our two continents and between our two legal cultures. En devenant le premier centre européen de documentation de droit américain, la Cour de cassation à la lourde responsabilité aujourd'hui d'assurer la plus grande diffusion de ce savoir afin de permettre, par la connaissance de la jurisprudence des cours américaines, un rapprochement de nos communautés juridiques. By becoming the first such European center specializing on American law, the Cour de cassation has a very heavy responsibility today, and that is to make sure that this knowledge or this information is circulated as widely as possible in order to allow for a better knowledge of the jurisprudence of American courts, and thus ensuring that our legal communities move closer together. Ce sera également par l'accueil d'étudiants de la Cornell Law School, qu'il pourrait être procédé au partage de nos savoirs. And we also intend to welcome students from the Cornell Law School, thus, of course, enhancing further the sharing of our information and knowledge. Justice égale selon la loi, telle est la devise de la Cour suprême des États-Unis, à laquelle fait écho la célèbre formule « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ».
Equal justice under the law. This is the motto of the Supreme Court of the United States, and this only echoes the French equivalent. I don't know if I should spare you the French pronunciation, which also means that for the entire Republic, there is but one Cour de cassation. C'est dire qu'au-delà des différences bien connues, nos traditions juridiques puisent leur origine dans une essence commune, celle du primat du droit et de l'indépendance des juges chargés de la faire respecter. And this goes to show that beyond the known differences that exist, our legal traditions, in fact, find the source of their origin in a common essence, that of the primacy of law and that of the independence of the judges who are entrusted with the judgment. Cette journée est donc pleine de promesses, dont la Cour de cassation devient la gardienne, des promesses d'une connaissance encore plus grande de nos systèmes respectifs, des promesses de l'émergence d'une culture juridique partagée. So this day is full of promises. Promises which, by the way, the Cour de cassation will become the custodian of. These promises are those of an even greater knowledge of our respective legal systems, and also promises of the emergence of a shared legal culture. Je veux remercier encore très chaleureusement les représentants de la Cornell Law School en leur assurant de la reconnaissance du parquet général de la Cour de cassation et de son soutien sans faille avec le premier président Vincent Lamanda dans les actions communes qui seront entreprises dans l'avenir. Je vous remercie. And I would like to most heartily renew my words of thanks towards the representatives of the Cornell Law School and assure them of acknowledgement of the French judiciary of the Cour de cassation and its unfailing support together with President Vincent Lamanda in all of the joint actions that will be undertaken in the future. Thank you all. Monsieur, je m'appelle Stuart Schwab, je suis le doyen de la Cornell Law School. Je parle un petit peu de français, donc je parlerai anglais, si vous voulez. Gathered at this conference, at this celebration this morning, is a remarkable group of judicial talent. In addition to those from the United States and France, I myself have had a delightful and informative conversations with the Chief Justices from Belgium, Austria, Great Britain, Denmark, among others. A legal positivist emphasizes the sovereignty and the independent power of individual legal systems. But other legal theorists say we are witnessing the rebirth of the jus commune, where common principles dominate over differences of individual nations. Could I borrow your... Yes, if you want to say that, I've gone a long ways, haven't I? That's the French okay. Was very good, I hope. The French was excellent. The only thing I'm worried about is your handwriting. It's not. Nous sommes réunis ici pour cette occasion et pour cette célébration ce matin. Et nous avons réuni un groupe remarquable de talents judiciaires. Pour ma part, j'ai eu l'occasion en plus, bien sûr, de rencontrer les représentants américains et français, le plaisir d'entretenir des conversations avec les représentants des cours suprêmes de Belgique, d'Autriche, de Grande-Bretagne, du Danemark et d'autres pays ici présents. Le positivisme juridique
met l'accent sur la souveraineté, sur le pouvoir d'indépendance des systèmes juridiques pris individuellement. D'autres théoriciens du droit disent que nous sommes en train de vivre la renaissance de la jus commune, les principes communs l'emportent sur les différences individuelles qui marquent nos nations. Under either approach, it is useful, indeed important, for the leading judges and scholars of the various legal systems to come together to discuss common issues for at least two reasons. First, hearing new approaches on either process or substance might give one of us a new idea to transport home. But second, and more likely, describing our own system and seeing in the listener's face what is familiar or what is confusing gives fresh understanding of our own law. Et donc, quelle que soit l'approche judiciaire adoptée, il est extrêmement utile et même, à mes yeux, très important pour les juges et professeurs éminents qui s'occupent donc d'étudier les différents systèmes juridiques, de se réunir aux fins de discuter de leurs problèmes communs, et ceci pour deux raisons principales. La première étant que le fait d'écouter et d'entendre des approches différentes des nôtres, que ce soit sur le point de la procédure ou sur le fond, peut nous donner de nouvelles idées que nous pourrons ensuite rapporter chez nous. Et secondo, parce qu'il est plus probable, lorsqu'on a l'occasion de décrire son propre système et de voir la réaction de la personne qui est en face de vous, de discerner ce qui est familier de ce qui, en fait, prête à confusion ou pourrait prêter à confusion, et donc nous donne ainsi un nouvel angle, une nouvelle vision de notre propre droit. Now, a conference produces important but fleeting dialogue. Books preserve ideas. We are standing in an inspiring room, in an inspiring building. The ideas in these books already here have reverberated literally across the centuries. Alors, une conférence telle que la nôtre produit, bien sûr, fomente un dialogue, mais qui vole comme les paroles, alors que les écrits restent, n'est-ce pas, puisque les livres sauvegardent ces mêmes paroles. Donc, nous sommes ici réunis dans une pièce qui doit nous inspirer, dans un bâtiment qui est aussi plein d'inspiration. Les idées contenues dans ces volumes ont déjà eu leur rayonnement, littéralement, dans le monde entier depuis des siècles déjà. When the officials of the Court of Cassation approached Cornell Law School with the idea of adding American legal materials to their already historic collection, I was humbled that they would choose us and inspired by their vision. At both a symbolic and a functional level, here are the chief judges of one of the world's greatest and proudest legal systems, reaching out to acknowledge the importance of maintaining a permanent dialogue with other legal systems. And the American judges and scholars represented in these books are speaking not only to Americans, but to all those furthering the rule of law. Lorsque les responsables de la Cour de cassation sont venus nous voir à la Cornell Law School en présentant l'idée d'ajouter justement à leur bibliothèque un certain nombre de volumes appartenant à l'histoire juridique américaine, j'ai été très impressionnée et je me suis demandé pourquoi leur choix était tombé sur nous et pourquoi nous
pouvions, en quoi nous pouvions inspirer leur vision. Eh bien, aussi bien au sens symbolique que fonctionnel, nous voyons autour de nous aujourd'hui des représentants des plus hautes instances juridiques du monde qui cherchent à partager leurs connaissances et à reconnaître l'importance du maintien de ce dialogue avec d'autres systèmes juridiques. Et les juges et érudits américains qui sont représentés dans les volumes qui vont venir trouver leur place ici, ne parlent pas uniquement au nom des Américains, mais en fait ne font que renforcer l'état de droit. So all of us in this room, in ways large and small, are working to improve our world through a conception of a rule of law that protects individual liberties and a democratic process. The conference today furthers that goal, and I am proud that the Cornell Center that we unveil today will further that goal for years to come. As judges and scholars read these books and ponder their relevance to their own legal system in the decades, perhaps even centuries ahead. Merci beaucoup. Chacun d'entre nous, à sa façon, modeste ou moins modeste, travaillons à améliorer le monde qui nous entoure par une conception de l'état de droit qui garantit la protection des libertés individuelles et du processus démocratique. La conférence d'aujourd'hui ne fait qu'aller plus avant pour essayer d'atteindre cet objectif. Et je suis fière que le centre Cornell puisse aujourd'hui contribuer à essayer d'atteindre ces objectifs, et ceci pour les années à venir, au fur et à mesure que les juges et professeurs d'université prendront connaissance de ces volumes et réfléchiront à la pertinence possible de l'adaptation de ce qu'ils lisent dans leur propre système juridique pour les décennies et même, pourquoi pas, les siècles à venir. Thank you very much. D'être parmi vous aujourd'hui, c'est un moment privilégié de communication et d'échange. I'm very happy and honored to be with you today. It's a wonderful opportunity for communication and exchange. And les personnes avant moi ont déjà dit beaucoup de choses, donc je vais couper court parce qu'il fait chaud. The speakers before me have already covered a lot of ground, so I will be brief. Dans notre monde de plus en plus dominé par l'Internet, c'est essentiel de se souvenir que les livres sont essentiels à la communication du savoir de génération en génération. In our world, which is more and more dominated by the internet, it's important to remember that books are essential to the communication of knowledge from generation to generation. Et vous voyez ces livres-là, je suis très fière de les voir. On a commencé avec les décisions, les arrêts de la Cour suprême des États-Unis. I'm very proud to see these books here. We started shipping the US Supreme Court reports that you can see here. Je tiens à remercier Monsieur le Premier Président Lamanda et toute la Cour de cassation de son accueil chaleureux. Je tiens en particulier à remercier deux personnes. Monsieur le conseiller Dominique Acher, je ne sais pas s'il est là en ce moment, il doit être occupé. Parce qu'il a organisé toute cette conférence avec une maîtrise absolue. Je voudrais aussi remercier M. Frédéric Goldberg, qui est là-haut, qui est un jeune étudiant stagiaire, qui a fait beaucoup de travail et qui démontre déjà qu'il va être un diplomate très fin. I would like to thank the Cour de Cassation for their wonderful hospitality. In particular, I would like to thank Monsieur le conseiller Dominique Hachel, who organized the conference with a total mastery, and Mr. Goldberg, a young student who is working for the court this summer, and who one day will be a wonderful diplomat.
I wanted to show you something. I will start in English. We at Cornell, we have prepared a commemorative booklet which retraces the history of the friendship between America and France, or France and America, throughout the centuries, through documents that we have in our collection, so both American documents and French documents. Those of you who are attending the conference will receive a copy. If you're not attending the conference and you would like a copy, I have extras for you. Dans mon université à Cornell, nous avons préparé une petite brochure commémorative qui retrace l'histoire de l'amitié entre la France et l'Amérique au travers de documents que nous avons dans notre collection, des documents américains, des documents français. Si vous êtes à cette conférence, vous allez recevoir une copie. Si vous n'êtes pas à la conférence, vous voulez une copie, j'en ai des pour vous. Nous espérons que vous aimerez cette petite brochure comme souvenir d'une cérémonie qui est très émouvante pour moi, parce que je suis citoyenne française, citoyenne américaine et européenne de cœur. I hope you will like this brochure and that it will be a nice souvenir of this ceremony, which is very moving for me. Because I'm a French citizen, US citizen, and European at heart. Monsieur le Premier Président, Chief Justice, distinguished colleagues, distinguished academics, it is a great pleasure to be invited to say a few words at this opening on behalf of the network of the Presidents of the Supreme Courts of Europe. Monsieur le Président, Chief Justice, dear colleagues, dear Justices, c'est un grand plaisir pour moi d'être invité à prendre la parole ici pour dire quelques mots lors de l'inauguration au nom du réseau des présidents de Cour suprême d'Europe. This center will provide to those studying and practicing law in Paris unprecedented access to American jurisprudence. Ce centre va en fait donner accès aux personnes qui étudient et aux praticiens du droit à Paris un accès sans précédent à la jurisprudence américaine. Many of us believe strongly that there are cases where it is desirable that a judge, when making a decision in his own jurisdiction, should be informed of comparative jurisprudence in the area in question. Nous sommes nombreux à penser ardemment qu'il soit souhaitable qu'un juge, lorsqu'il prend une décision dans sa propre juridiction, soit informé de la jurisprudence comparative dans d'autres zones sur les mêmes questions. One of the prime objects of the European network is to share our jurisprudence, and so we pay tribute to those who are responsible for this center. Un de nos objectifs premiers au sein du réseau européen est précisément de partager notre jurisprudence. Nous voudrions donc rendre hommage aux initiateurs et aux responsables de ce centre. There is no one who believes more strongly in the practical value of studying comparative law than Professor Sir Basil Marquesinus, who's played such an important role in making the project for this centre a reality. Personne mieux que le professeur Sir Basil Marquesinus n'est plus convaincu de la valeur pratique du droit comparé ou de l'étude du droit comparé, lui qui a joué un rôle si important pour faire aboutir ce projet de centre. The center also reflects the vision and enterprise of the Cour de Cassation and in particular its former Premier Président Guy Canivet. Le centre fait écho également à l'esprit visionnaire et d'entreprise de la Cour de Cassation et plus particulièrement son ancien Premier Président, M. Guy Canivet. Finally, of course, the center has been made possible because of the generosity of Cornell Law School and its enthusiasm for and expertise in international and comparative law. Pour finir, bien entendu, le centre n'a pu être mis sur pied que grâce à la générosité de la Cornell Law School, grâce également à son enthousiasme
et son désir d'aller plus loin dans l'étude et l'expertise en matière de droit international et comparé. An enthusiasm for the application of comparative law is one that is not always manifested in the judgments of the justices of the Supreme Court of the United States. Un tel enthousiasme pour l'application du droit comparé n'est pas quelque chose qui est nécessairement automatiquement manifesté dans les arrêts rendus par les juges de la Cour suprême des États-Unis. Happily, there is on this historic visit of members of that court to Paris representation of the view that what is done in Europe can on occasion usefully informed decisions made in the United States. Mais fort heureusement, pour cette occasion historique de la visite d'un certain nombre des membres de la Cour suprême américaine, il y a parmi eux certains représentants qui estiment toutefois que ce qui se fait en Europe peut exceptionnellement ou parfois être utile pour inspirer les décisions qui sont prises en Amérique. On behalf of the network of presidents of the Supreme Courts of Europe, may I congratulate all who played a part in the creation of this center. Et au nom du réseau des présidents des cours suprêmes d'Europe, permettez-moi de féliciter tous ceux qui ont joué un rôle dans la création de ce centre. Mes chers collègues et les amis de Cornell University, this is a bright moment for all affiliated with Cornell University, including my husband and me, graduates of the Cornell Arts and Sciences classes of 1953 and 1954. It is fitting that Cornell Law School should have this important liaison with the Cour de Cassation, for Cornell fostered instruction in comparative law long before most U.S. law faculties added courses on foreign legal systems to their curriculums. C'est un grand moment pour tous ceux qui ont un rapport avec l'université de Cornell. D'ailleurs, y compris pour mon époux et moi-même, puisque nous sommes diplômés de Cornell Arts and Science, les promotions donc de 1953 et 54 respectivement. Et il convient précisément que la Cornell Law School ait joué ce rôle important de liaison avec la Cour de cassation française, car c'est Cornell qui avait encouragé l'enseignement du droit comparé bien avant que les facultés de droit américaines n'aient eu l'idée de prodiguer des enseignements sur les systèmes juridiques étrangers dans leur programme. Cornell's innovation is attributable long before Sir Basil to a legal scholar appropriately remembered at this gathering, Rudolf B. Schlesinger. Professor Schlesinger earned his first law degree in 1933 from the University of Munich, the city of his birth. He was obliged to flee his native land in 1938, shortly before Kristallnacht, when the Nazi Party gained ascendancy in Germany. Schlesinger earned a second law degree at Columbia University in 1942, and in 1948 commenced teaching at Cornell Law School, a faculty he graced until his retirement in 1975. His book, Comparative Law, Cases, Texts, Materials, examines the differences and similarities among the legal systems of nations. Initially published in 1950, the work has since been revised and republished several times.
l'innovation dont fait preuve Cornell et que l'on peut attribuer, bien entendu, avant toute chose, à Sir Basil, est aussi quelque chose qui vient d'un autre professeur qui est de façon tout à fait adéquate l'objet d'un souvenir. Aujourd'hui, je parle de Rudolf Schlesinger. Le professeur Schlesinger, en fait, a obtenu son diplôme de droit en 1933 à l'université de Munich, la cité où il était né. Il a dû fuir son pays en 1938, peu de temps après la nuit de cristal, lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne. Le professeur Schlesinger a ensuite obtenu un deuxième diplôme de droit à l'université de Columbia en 1942. Et en 1948, il a commencé à enseigner à la Cornell Law School, une faculté dont il a honoré qu'il a honoré de sa présence jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 1975. Son ouvrage, Le droit comparatif, et donc il s'agit d'affaires, de textes et de matériaux divers et variés, étudie les différences et les similitudes qui existent entre les différents systèmes juridiques des nations. À l'origine, il fut publié en 1950 et depuis, il a été révisé et réédité à maintes reprises. 5 years after the first publication of Comparative Law in 1955, Professor Schlesinger completed a study for the New York Law Revision Commission titled Problems of Codification of Commercial Law. That seminal effort anticipated the later development in the United States of the Uniform Commercial Code under American Law Institute auspices. In 1995, in a tribute to Professor Schlesinger, the year before his death at age 87, the American Journal of Comparative Law noted his influence, the influence of his work, beyond United States borders. Today's serious efforts to find and develop a unitary European private law, the journal editors wrote, is consciously or unconsciously a continuation of Schlesinger's heroic efforts. 5 ans après la publication donc de Comparative Law, le droit comparé, donc en 1955, le professeur Schlesinger a mené à bien une étude pour le compte de la commission de révision du droit de New York, qu'il a intitulé « Les problèmes de codification du droit commercial ». Cet effort, en fait, faisait effet de précurseur pour ce qui est ensuite devenu et a abouti au code commercial unifié des États-Unis, qui avait été mené à bien par, sous les auspices de l'Institut du droit américain. En 1995, un hommage a été rendu au professeur Schlesinger. C'était l'année précédant son décès, à l'âge de 87 ans. Et le journal The American Journal of Comparative Law, c'est-à-dire le journal américain du droit comparé, a souligné l'influence de ses travaux qui portait au-delà des frontières américaines en disant, je cite, les efforts qui sont entrepris aujourd'hui pour trouver et définir un droit privé européen unitaire, en fait, qu'on en ait conscience ou pas, ne sont qu'une continuation des efforts héroïques qui avaient été entamés en son temps par le professeur Schlesinger. It was my great good fortune to know Professor Schlesinger first as a revered teacher and later as a treasured colleague. He acquainted me and legions of others with the value of learning about and from legal systems other than our own.
of recognizing the common core of legal systems while understanding characteristic differences. I know he would strongly applaud the center we dedicate this morning. J'ai eu la chance extraordinaire de connaître ou de côtoyer le professeur Schlesinger, d'abord parce que j'ai eu la chance inestimable d'être sa disciple, son élève, et plus tard, puisque j'ai eu la chance de l'avoir comme collègue fort estimé. C'est lui qui m'a informé ainsi que bien sûr de nombreux autres étudiants, de la valeur qui consiste à étudier le droit d'autres systèmes que le nôtre propre, de reconnaître qu'il y a un noyau commun entre tous les systèmes juridiques, tout en comprenant bien sûr parfaitement les différentes caractéristiques de chacun. Et je sais qu'il, s'il était parmi nous aujourd'hui, il applaudirait la création de ce centre qui nous réunit ici. With remembrance of a grand master of comparative law in mind, it is now my honor and privilege to unveil the plaque that symbolizes the unique partnership between Cornell Law School and the Court of Cassation. May the Center for Documentation on American Law advance a continuing conversation and enhance understanding between jurists in France, indeed in all of Europe, and their counterparts in the United States. C'est en gardant le souvenir de ce maître en matière de droit comparé. J'ai maintenant l'honneur et le privilège de dévoiler la plaque qui va symboliser cette association unique entre la Cornell Law School et la Cour de cassation, que ce centre de documentation sur le droit américain alimente une conversation en continu à l'avenir, et qu'elle renforce la compréhension entre juristes en France et, bien sûr, dans toute l'Europe, avec leurs homologues aux États-Unis. De prendre des sièges et je suis confus de vous obliger de rester debout aussi longtemps. Please take seats, especially the ladies. If they, I apologize for not thinking of this earlier, but this seems to be a lengthy process. So if anybody would like to sit down, please feel free. On va peut-être éviter la traduction pour gagner une place. Madame Germain. S'il vous plaît. Madame le professeur Germain, vous avez fait vos études de droit à l'Université de Paris 11, puis ensuite à la Louisiana State University et à l'Université de Denver. Vous êtes professeur titulaire de la chaire Edward Cornell Law Librarian depuis 1993 et directrice du programme des maîtrises intégrées de l'Université Cornell avec l'Université Paris 1. Vous faites autorité aux États-Unis dans le domaine des données de l'informatique juridique. Vous présidez l'Association des bibliothèques et des centres de recherche juridique américains après avoir été la présidente de la section des bibliothèques et de la recherche de l'Association américaine des facultés de droit aux États-Unis. Vos ouvrages sur ces questions vous ont valu en 1992 le prix Joseph Andrews décerné par l'Association des bibliothèques de droit pour votre contribution exceptionnelle à la recherche documentaire. Aux États-Unis, vous avez œuvré pour étendre l'influence du droit français et continental. Vous enseignez le droit français à l'Université de Cornell. Mais surtout, vous vous êtes attaché à promouvoir l'accès aux sources juridiques françaises. Vous avez publié en 1998 un ouvrage remarqué
sur l'accès électronique au droit de langue française vu d'un pays anglo-saxon. Votre contribution à la diffusion des travaux juridiques de langue française aux États-Unis est essentielle. Vous avez voulu marquer de manière éclatante votre attachement et votre dévouement au resserrement des liens entre vos deux patries en prenant l'initiative de la très généreuse donation qui a permis d'établir le centre que nous venons d'inaugurer de manière solennelle. Monsieur le Président de la République a bien voulu reconnaître les mérites éminents de votre action au service des relations franco-américaines en vous distinguant par une nomination au rang de chevalier de la Légion d'honneur, ordre fondé le 29 Floréal de l'an 9, c'est-à-dire le 19 mai 1802, par Napoléon Bonaparte, alors premier consul. Au nom de la France, je suis fier et heureux de vous remettre cette croix avec les plus chaleureuses félicitations. Monsieur Stewart Schwab, votre réputation de professeur vous a conduit à dispenser des enseignements dans de nombreux pays et dans de très prestigieuses universités, au Royaume-Uni, à Oxford, en Australie, à Canberra, en Nouvelle-Zélande, à Victoria, et aux États-Unis, à l'Université du Michigan, dont vous êtes diplômé. Vous êtes le doyen de la faculté de droit de l'Université de Cornell, dans l'État de New York. L'aperçu que je viens de donner de ce très riche parcours universitaire nous renseigne sur votre intérêt et votre ouverture pour le droit comparé. Je rappellerai que vous aviez commencé votre carrière à la Cour suprême des États-Unis en étant l'assistant du juge Chandra Day O'Connor. Vous vous étiez déjà distingué dans ces fonctions par la qualité de votre travail de comparatiste. À l'université, vous êtes devenu un spécialiste réputé du droit du travail et de l'approche économique du droit, domaine dans lequel vous avez effectué de nombreuses et remarquables publications. En tant que doyen, vous avez œuvré au développement de la coopération universitaire avec la France. Nous devons mettre à votre actif la création de deux chaires de droit français, l'invitation de très nombreux professeurs français et l'augmentation du nombre de nos étudiants. Ici, vous avez créé des programmes d'études conjoints avec l'Université de Paris 1, dont le vice-président, M. le professeur Masclet, devrait être parmi nous. Vous avez aussi créé des programmes de cours d'été pour l'étude des droits français et européens. Les étudiants qui les suivront seront les premiers à bénéficier des possibilités offertes par ce centre que votre action et votre générosité ont permis de créer. Votre promotion des relations juridiques entre la France, avec la France, a conduit, Monsieur le Président de la République, à vous conférer le grade de chevalier de l'Ordre national du Mérite, ordre dont la création a été décidée par le général de Gaulle le 3 décembre 1963. Au nom de la France, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre cette décoration avec les plus chaleureuses félicitations. Et maintenant, je vous invite à rejoindre donc les locaux de la conférence où un café pourra vous être servi. Please now follow me into the grand chamber where we shall be holding our meeting. Offer a cup of coffee, maybe, if you'd like one.